Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Café Débat donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion, vous le savez. Cet autre numéro reçoit comme invité dans la première partie, bien sûr, Ibrahima Corboya Baldé. Il est jeune communicant de l'UFDG, évidemment, et il bénéficie de son droit de réponse suite au passage sur ce plateau hier du responsable de communication de l'UFDG, Alpha Boubacar Ba, notamment sur cette crise qui mine la question de communication ou de celui de communication de l'UFDG. Là-dessus, il nous donnera sa version des faits, mais aussi nous parlerons de d'autres questions qui minent la vie de l'UFDG, comme nous l'avons fait hier, notamment les questions de positionnement des jeunes sur la liste les listes de candidatures pour les élections communales qui arrivent notamment du 4 février. Et puis, en tant que jeune, il interviendra sur les questions de liberté publique, notamment l'exercice des libertés publiques et les problèmes que cela pose lors des manifestations, notamment les cas de vandalisme et d'incivisme qui prennent place notamment dans les attitudes des uns et des autres. Dans la deuxième partie de l'émission, je serai avec Kandia, avec lui notamment. Nous reviendrons sur l'opération distribution des cartes d'électeurs. On constate déjà quelques couacs dans la distribution des cartes d'électeurs. Certains citoyens qui reçoivent 2 cartes d'électeurs eux seuls, pour certains 3, pour certains 4, pour certains 5. Eh bien, Kandia, lui, en a reçu 2. Il viendra brandir ses cartes d'électeurs dans cette émission, une manière de souligner et d'attirer l'attention de la CENI sur ces quelques, mauvaises situations qui s'avèrent sur le terrain. Corboya, bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci beaucoup, Monsieur Baldé. Monsieur Diallo. Monsieur Baldé. Je ne peux jamais devenir Baldé, ça c'est exclu. Pas, hein. Pas du tout. Tu ne peux pas quand même venir chez ton maître et vouloir. Non, quand même, hein, un peu de respect. Je suis le maître du plateau. D'accord. On verra bien. En tout cas, hier j'étais avec un de mes esclaves, Alpha Boubacar. Il s'agit justement de lui, puisque tu viens répondre à Alpha Boubacar. Tu es jeune communicant pour l'UFDG. Auditeur dynamique, d'ailleurs un des auditeurs attitrés des émissions politiques du pays. Alors oui, Corboya, tu as suivi donc Alpha Boubacar ici hier. Il y a un problème entre vous et Alpha Boubacar au sein de la cellule de communication de l'UFDG. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Oui, je le confirme, il y a des problèmes au sein de la cellule de communication de l'UFDG. Il y a des problèmes au sein de la cellule de com de l'UFDG. Oui. Les problèmes sont les suivants. Le premier problème qu'on a eu à noter, c'est qu'à travers cette cellule de communication de l'UFDG, les communicants de l'UFDG n'ont aucune considération politique. Bien. À travers cette cellule de communication de l'UFDG, les communicants de l'UFDG sont dans le dédain total. Lorsque vous prenez ces communicants, ils le font par amour. Qui est-ce que vous appelez communicants de l'UFDG? Je parle... Hein, c'est des militants spéciaux ou qu'est-ce qu'ils font? Moi, je me dis, c'est des militants spéciaux, c'est des sympathisants spéciaux, ainsi de suite. Mais le problème... Qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils sont là en train de vendre une bonne image de l'UFDG et plus précisément de son président, c'est le Dalain Diallo. C'est ce que, par exemple, ce que toi, tu fais chaque matin là, appeler dans les émissions, prendre position en faveur de l'UFDG sur des sujets de développement, les questions de développement, attaquer... si je peux dire, les actions de la gouvernance Alpha Condé, tout ça. Ce que vous faites là, c'est en cela que vous êtes des communicants pour l'UFDG. Oui, évidemment, nous sommes des communicants de l'UFDG, même si de fois les sujets au niveau des différentes radios, c'est des sujets
qui ne sont pas politiques, de fois aussi il y a des sujets qui sont des sujets communs, c'est-à-dire d'ordre social, d'ordre sanitaire, etc. etc. Mais néanmoins, vous savez, nous sommes dans un pays où tout est devenu politique, où même en mangeant, c'est-à-dire les jeunes, tout le monde parle politique, chose que moi j'apprécie. Mais il faut vraiment être dans le cadre aussi de la démocratie. Bon, revenons-en à nos moutons. Ceci dit, vous savez, lorsque vous prenez la structure SICORA, synergie des communicants des différentes radios, nous n'avons aucun soutien matériel, aucun soutien financier. Et pourtant, dans toute structure, il y a vraiment une petite somme ou grande somme qui est dégagée pour la structure en question. Donc, vous n'avez aucun soutien de l'UFDG dans tout ce que vous faites pour le parti là, le fait que vous vous appelez tous les matins dans les émissions, vous envoyez des messages, il n'y a aucun appui, c'est votre fonds propre, vous? Il n'y a aucun soutien, je vous dis. Et le problème, peut-être certain, à travers les militants et les sympathisants, à travers votre éloquence, le verbe dont vous êtes là en train de dégager, les idées pertinentes, certains pauvres, vous venir en aide, mais ce n'est pas là-bas le problème. Le problème, c'est l'UFDG et la cellule de communication du parti, c'est là-bas le problème. Parce que ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, j'allais dire, du parti, n'engage pas le parti, ça n'engage que le communicant et la personne affiliée à ce communicant. Donc moi je vous dis, aujourd'hui c'est pas des choses de la mer à boire qu'on demande à l'UFDG, parce que nous estimons aussi que l'UFDG a les moyens qu'il faut, les moyens économiques, moyens financiers, moyens humains, tout est là à la disposition de l'UFDG. Où sont ces moyens? C'est la question que moi je me pose. Bien. Nous, ce n'est pas parce que nous sommes contre le parti ou bien contre les responsables, mais nous allons toujours être contre ceux-là qui n'utilisent pas les moyens du parti au nom des travaux du parti. Bien, mais est-ce que vous pouvez reprocher, est-ce que vous avez le droit de reprocher à l'UFDG de ne pas financer un mouvement de soutien, étant donné que les mouvements de soutien ne sont pas reconnus dans les statuts du parti? Si vous dites non, le bureau exécutif de l'UFDG ne dépense pas pour les activités des sections, des sous-sections et des fédérations à l'intérieur du pays ou à Conakry, on peut bien comprendre. Mais quand vous vous en prenez au parti parce qu'il ne finance pas, SICORA, qui est un mouvement de soutien, fut-il un mouvement qui fait de la communication pour la bonne image de l'UFDG, est-ce que votre argument est objectif, je veux dire? C'est une idée objective. Vous savez, nous sommes un mouvement de soutien. Nous n'allons jamais être reconnus de manière juridique par l'UFDG, parce que nous sommes un mouvement de soutien. Donc de ce point de vue-là, si vous demandez quelque chose au parti qui ne le fait pas, vous êtes obligé de vous arrêter là, puisque vous n'êtes pas statutairement reconnu. J'en viens. Vous savez, le problème réel, si vous voulez, le X, c'est où? C'est lorsque vous êtes dans une formation politique et tous ces mouvements qui, de manière juridique, ne sont pas reconnus, en train d'être traités de deux poids, deux mesures. D'autres mouvements sont favoris et d'autres sont écartés. Donc, il y a d'autres mouvements qui bénéficient d'aides financières de la part du bureau de l'UFDG? Évidemment. Au détriment de vous, votre mouvement, c'est ça? Voilà, c'est là-bas, Loïc. Maintenant, nous... Quels sont ces mouvements, par exemple, qui bénéficient des... Vous prenez le mouvement des jeunes de l'Axe, vous prenez Section Motard, vous prenez Seretabe, vous prenez Pititi et Patata, ce sont des mouvements de soutien comme le nôtre. Maintenant, qu'est-ce qui empêche l'UFDG de traiter tous les mouvements même pied d'égalité. Avec les mêmes pieds d'égalité. Mais aussi, et Loïc, c'est quoi? Certains disent que non, ces mouvements, certains d'entre eux qui ont été sur les différentes listes, ils sont dans les fédérations. Je vous informe, dans tout parti politique, lorsqu'il s'agit des élections, surtout des élections communales et communautaires, il y a un quota qu'on essaie de mettre à la disposition de la présidence du parti.
Vous comprenez? Au cas où, si toutefois il y a certaines personnes ou bien certains qui ne se retrouvent pas au niveau de ces différentes listes, pour que le président essaie à travers ce pouvoir qui lui est réservé, d'utiliser ce pouvoir et de donner un quota à certains jeunes qu'il estime être influents et rentables de manière politique. Pour le parti. Pour le parti, se retrouver au niveau des différentes listes. Mais on nous dit aujourd'hui, non, ceux-là qui sont au niveau des différentes listes, ils viennent des fédérations. C'est archi faux. Alors nous sommes partis. Donc ce qu'Alpha Boubacar a dit n'est pas vrai sur ce point-là. C'est des contre-vérités. Bon, moi je dis que c'est une communication catastrophique. Il est passé à côté. Mais vous savez, en République de Guinée, les politiques, ils font le... Donc sur des listes de l'UFDG, pour les communales qui arrivent là, le parti a donné des quotas à certains mouvements de soutien? Oui, je l'affirme, avec toutes les preuves. Mais ce qui est marrant dans tout ça, c'est lorsqu'on nous fait croire que maintenant, à travers le politique qu'il utilise, parce que ça, ce n'est pas la politique, ça. Le politique qu'il utilise, que non, c'est des gens qui viennent des fédérations. C'est parti jusqu'à même Alpha Boubacar, lui-même, il l'a dit, qu'il y a eu 16 communicants sur les différentes listes. C'est ici, sur votre plateau. Effectivement. Mais je vous rappelle, ces jeunes communicants qui sont retrouvés au niveau des différentes listes, ils ne viennent pas de la com, ils ne viennent pas de la structure Sikora. Ils viennent de différentes fédérations, des sections, des sous-sections. Ils sont sur les différentes listes parce qu'ils sont de manière juridique dans les fédérations. Mais c'est ce qu'on vous a demandé de faire. C'est ce qu'on a demandé. On vous a dit, vous, au lieu de demander à être sur une liste au nom de votre structure Sikora, allez faire prévaloir votre place dans une des structures à la base, quoi. C'est ce qu'on vous a demandé. Je n'en dis combien. Pourquoi vous n'avez pas pu faire cela? Je n'en dis combien. C'est déjà fait. Parce qu'à partir du moment où certains sont sur les listes, c'est que c'est fait, non? Mais c'est ces mêmes-là qui sont sur les listes, qui sont avec nous, qui ont grévé avec nous. D'accord. Parce que tous les autres mouvements, je vous rappelle, ont eu des quotas. Les autres mouvements de soutien de l'UFDG. Vous prenez les jeunes de l'Axe, vous prenez Seretab, vous prenez... Seretab. Vous prenez, les sections motards. C'est des mouvements qui ont eu des quotas. D'accord. Et qui ont donné des gens pour les listes. Pas parce que aussi ils sont dans les fédérations. Dans les fédérations. C'est là-bas où les gens doivent comprendre. Donc il y a eu du deux poids deux mesures. Il y a eu du deux poids deux mesures. Mais quand vous parlez, non, il y a eu des communicants sur les listes. Ok, je vous informe. Même ces communicants qui se sont retrouvés dans les listes, certains ont été retirés des listes. Bien. Certains ont voulu, non, on va régler ça à l'interne. Régler quoi à l'interne? Il dit encore, si par exemple, on n'a pas voulu utiliser la voie douce, c'est-à-dire respecter les principes et utiliser la voie légale en faisant des courriers. Moi qui vous parle, je suis l'un des plus anciens des communicants. Mes amis, aujourd'hui, certains d'entre eux, l'autre il est aux États-Unis, l'autre il est là, mais il ne conjugue plus le même verbe avec le parti UFDG. Bien. Il s'agit de Amadouri Bari de Kenende, vous prenez Ahmed Tidjanso de Solo Primo, voici les grands communicants de l'UFDG. Bien. Et aussi Yemberen, parce que il faut reconnaître la valeur de ton adversaire. Yemberen aussi, il fait partie des anciens de la com. Jeune communicant. Oui, mais tous les restes là qui s'agitent là, non, c'est des grévistes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Nous, ils nous ont trouvés dans ça. Bien. Alors donc, vous avez aussi reproché à Alpha Boubacar de détourner de l'argent. Quel argent? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes censé avoir de l'argent avec lui, puisque vous vous dites structure indépendante, communicant indépendant du parti? Je le confirme. La preuve en est que lorsque ces gens se déplacent pour aller en Occident... Lorsque qui se déplace? Les responsables de l'UFDG. Lorsqu'ils se déplacent, ils ont leur propre agenda. Ils ont leur propre projet de société. À eux. Donc, oui, la com, ça ne va pas. Ok, aidez-nous à voir ça et ça et ça et ça. On les donne. Ils foutent ça
dans leur poche. Et après, lorsqu'il y a la com, par exemple, aujourd'hui je suis là, certains enregistrent cette émission pour aller soumettre ça. Non, j'ai dit à Corboya d'aller là-bas, je lui ai donné du transport, je lui ai donné de l'argent. Même ma femme, je lui ai donné pour qu'il puisse partir avec ma femme. Jusqu'au... c'est exagérant, c'est des contre-vérités, c'est donc de la polypolitique. Donc les appels, par exemple, que toi, Corboya, tu fais dans les émissions interactives, tu dépenses combien par jour? Et est-ce que ça, par exemple ça, on vous donne rien, mais pourtant, on facture ça dans les je sais pas, la comptabilité du parti, c'est ça? Oui, oui, je confirme. Vous savez, pour utiliser ces appels, hein, et avoir vraiment une bonne communication pour que ça soit une communication positive, il te faut au moins par jour les 50 000, les 60 000. Pour appeler dans les pour émissions. Pour appeler une radio. Aujourd'hui, si vous écoutez certaines radios, les ténors de la com, ils n'existent plus, ils ont fui. Bien. Parce que le coût économique, c'est énorme. Et c'est vous-même qui payez ça. Le parti ne donne rien. La cellule de com jamais. Ne donne rien. D'ailleurs, ça n'a pas été facile. À un moment où Tchangal était là, il avait soumis ce projet au président de l'UFTG, où il fallait vraiment chaque jour faire en sorte que ces communicants puissent être épaulés et de manière économique à travers les unités, les téléphones. Mais malheureusement, nous tous, voilà, le cas à Tchangal aujourd'hui, c'est un autre cas. Malheureusement, avec cet événement, bien, il nous a quittés. Alors oui, on ne vous donne pas d'argent, on ne vous considère pas. Mais en même temps, j'étais avec Aboubacar, justement, le responsable comme de l'UFDG, qui dit qu'en réalité, il n'y a pas de budget dégagé à l'UFDG pour des communicants. Ça n'existe pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas lui reprocher de détourner de l'argent qui vous est destiné. Est-ce que vous en avez les preuves? Moi, j'ai des preuves. Lorsqu'il y a eu cette petite grève ou grande grève, moi, j'ai reçu des appels. Les gens m'ont appelé ça et là pour me donner des informations parce qu'eux, ils n'osent pas parler. Mais moi, j'ai le ton libre parce que je ne dépends de personne. Bien. Et lorsqu'il s'agit de la com, vous dites que... Non, en fait, les gens doivent comprendre. Nous ne voulons pas un fonds pour nous, les communicants. Nous voulons un fonds qui sera vraiment dans les dispositions de la com. Faut pas qu'on personnalise le débat. Bien. Partout où il y aura nécessité de communiquer, il faut que... Il peut me dire que lui, il n'a pas de fonds là où il est là-bas. Il peut me dire qu'il n'est pas rémunéré. Vous voyez, mais il décante le débat pour aller dans les attaques, dans les contre-vérités. C'est de la folie politique qui est là en train d'attraper Alpha Bakar et certains responsables. Il faut qu'ils arrivent à reconnaître que rien ne va au sein de la com de l'UFDG. Bien, alors donc si il y a tout ce problème, hein, vous ne vous entendez pas avec Alpha Boubacar, vous n'êtes pas considéré à la hauteur du travail que vous abattez pour l'image de l'UFDG. Cellul Alain, c'est le président de l'UFDG. Alors, il est là pour sans doute arbitrer dans tout ça. Alors, dans toute cette crise-là, comment ça se fait qu'il ne se donne pas voix? Est-ce que vous êtes allé le voir? Est-ce que vous êtes plaint auprès du président du parti à ce stade de votre malentendu avec Alpha Boubacar et certains responsables du parti? C'était fait. Il nous avait promis dès son retour vraiment en République de Guinée, il était au Sénégal. C'est le Cellul Alain Diallo. Oui. Et on l'a amené un courrier. Il a répondu. Mais malheureusement, depuis qu'il est de retour, ça laisse beaucoup à désirer. Parce que maintenant, on exige à ce que je ne sois plus le porte-parole. Il y a eu des appels ça et là. Le porte-parole des membres oui, de Sikora. Le Sikora. Chose d'ailleurs qui est faite, parce qu'il y a eu une déclaration de certains là-bas qui ont eu peur. Mais moi, mon objectif, je me suis fixé un objectif et je vais l'atteindre. Bien. Et le président aurait été, moi, à sa place. J'allais faire tout, rencontrer les uns et les autres, les écouter. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Et puis, il y a des ribambelles de conseillers qui l'encouragent dans ce sens. Et il ne faut pas dialoguer, il faut le laisser. Ils vont déserter, quand ils vont se fatiguer, ils vont revenir à la raison. Donc c'est la réponse qu'on vous a donnée ou qu'on t'a donnée au parti parce que non, c'est la réponse. Vous êtes divisé en ce moment. Le oui, staff, nous sommes divisés en ce moment. Et pour ça aussi, je vous informe. Mm. Vous savez, certains ont jugé nécessaire de lever la grève. Vous savez le pourquoi? Ils ont reçu des appels ça et là. Il fallait faire une réunion extraordinaire. Mm. Parce que l'Assemblée, elle est forte, plus que même le leadership de la structure. Mm. Donc, chose faite. On est venu à la réunion. Votre structure, Sikora quoi? Sikora. Mm. Il y a eu cette réunion extraordinaire. Mm. Mais il y a eu deux personnes qui avaient des arrière-pensées. Il fallait coûte que coûte, vaille que vaille, et décanter la grève. Mm. Mais, comme nous sommes des démocrates, on a jugé nécessaire, on va partir au vote. Parce qu'il y avait certains qui voulaient qu'on continue. Parce que ce qu'on a demandé, même un simple député, même un simple sympathisant peut nous satisfaire par rapport à ces différents points. Mmh. Certains nous... C'est-à-dire appui financier, oui, les communications, oui, la formation, reconnaissance. La formation, la reconnaissance. La formation des communicants. La formation des communicants. Mmh. Hein? Mmh. Tout ça. Vous pouvez me dire que ça, c'est de la mer à boire. Bien. Hein? Ils ont refusé, on est parti au vote, on a écrasé. La séance, elle est levée, tout le monde est rentré. Ceux-là qui avaient décidé... La majorité avait décidé quoi? De continuer la grève. Votre mouvement. Grève, on continue la grève. Bien. On lève la séance, les gens se lèvent pour rentrer, moi je suis rentré, je me suis lavé. Au moment où je me reposais, je reçois des appels, ça. Gorboya, où tu es? Où tu es? J'ai dit, à quoi? Je suis à la maison. Il faut revenir tout de suite, tout de suite. Il faut qu'on essaie d'enlever d'arrêter le mouvement parce que j'ai reçu des appels ça et là. Mais au même moment, ils repartent encore. Mm. Même la deuxième femme du président de l'UFDG aujourd'hui est là en train d'être courtoyée par ses communicants. Madame, il faut m'aider à avoir telle somme. Madame, il faut m'aider à faire ceci et cela. Ça me fait ni chaud ni froid. Bien. Je suis indépendant. Donc aujourd'hui, tes amis ont décidé sans doute destituer de la tête de Sikora. Mais tu restes de toute façon d'abord militant de l'UFDG. J'imagine jusqu'à ce que la crise se résolve. S'il n'y a pas d'entente, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que c'est de rester simple sympathisant de l'UFDG et ne plus communiquer comme avant au nom du parti? Ou est-ce que tu quittes l'UFDG tout simplement pour rejoindre notre formation politique? Moi, je vais vous dire une chose. Je vais parler, je vais continuer à parler. Mm. Que je parle pour l'UFDG ou pour un autre parti politique, je vais le faire. Et en ce qui concerne le militantisme de l'UFDG ou bien les responsabilités de l'UFDG, vous savez, qui ne dit rien consente. Mm. Lorsque vous voyez une injustice, lorsque vous prenez l'affirmation... de l'ancien président sud-africain, lorsqu'il dit que lorsque vous voyez l'injustice et que vous ne disiez rien, c'est que vous êtes complice de l'injustice. Mmh. Moi, je ne vais jamais être complice de l'injustice. Mmh. Et lorsque vous avez une femme, je donne toujours cet exemple-là, vous refusez de la chérir, de la montrer de l'amour, d'être solidaire, d'être compréhensif avec elle, un jour, c'est quelqu'un d'autre qui viendra la piquer derrière votre dos et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que moi, au-delà de tout, toutes les idées politiques qu'ils ont, moi j'ai confiance en ma personne. Bien. Donc il faut s'attendre à quelque chose dans les jours à venir, quoi, si ça ne se règle pas. Évidemment, évidemment. Et pourtant, Alpha Bouakar aussi disait sur ce plateau hier que, bon, finissez votre grève, après le parti va sévir, donc. Ça veut dire qu'il y a de l'électricité dans l'air. Il y a de l'électricité, il y a l'arrogance encore. Il y a l'arrogance. Yeah. Finissez votre grève et puis nous, on va sévir. Sévir contre qui? Sévissez contre moi. Laissez les autres en paix. Si vous n'avez rien de choses positives pour la com, pour les communicants, laissez-les en paix. Sévissez contre Corboya. Bien. Alors donc, avant que cette crise ne s'arrange ou pas, à l'UFDG, attendons de voir ce qui va se passer. Il y a autre sujet aussi sur lequel vous n'êtes pas trop content. Il s'agit du positionnement
des gens sur les listes de candidature. Vous avez mal vu, par exemple, je parle des jeunes, pas toi seul, pour la plupart à l'UFDG, comme quoi on a d'abord reconduit tout ce qui était président de délégation spéciale pour l'UFDG sur l'étendue du territoire. Ces anciens-là, on les a maintenus et on a apporté leur candidature. Et puis, des jeunes aussi qui ont eu pas mal de problèmes pour être sur les listes. Oui, moi, quand j'ai vu ces différentes listes... De candidatures, les têtes de liste, par exemple. Les têtes de liste, je me suis dit, c'est la même politique partout. Parce que moi, je vous dis, à un moment donné, je me disais que l'UFDG aura l'idée d'avoir une alternative de pouvoir. Mais malheureusement, vous prenez les fédérations, les communes, ce sont les mêmes. Pour quelle politique? Pour quelle politique? Et plus grave, plus grave, moi, c'est pas pour les en vouloir, mais vraiment, leur carrière politique, ils pouvaient vraiment nous donner des conseils en tant que jeunes. Vous savez, on allait vraiment prendre la responsabilité de gérer toutes les communes de manière normale, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, vous allez constater une chose. Le jour où on va lever ces gens-là au niveau de ces mairies ou bien de ces délégations spéciales, vous allez voir des tollés politiques. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de partage du pouvoir. Ils n'ont pas l'esprit de céder au pouvoir. De l'alternance. De l'alternance. Et chose qui m'a beaucoup choqué, j'ai vu essayer de sillonner. Vous regardez toutes ces listes des différents présidents des délégations spéciales. C'est des vieux. Que des vieux, des anciens. Que des vieux qui n'ont que vraiment des souvenirs. Ils n'ont plus d'avenir. Donc le problème, on n'a pas essayé de rajeunir un peu la liste. Pourtant, hier, l'UFDG, vous avez, je ne sais pas si tu étais là, ils ont procédé à la présentation des jeunes qui sont présents sur la liste des candidatures à l'UFDG. Une manière de dire que oui, on n'a pas mis les jeunes de côté cette fois-ci. J'ai suivi ce débat, mais que les gens arrêtent de faire le politique. Tu penses que c'est tout simplement pour tromper l'apparence? Ces jeunes qui ont fait ce débat, ils sont au niveau du classement, vous prenez. Sur les listes, on voit 21e, 41e. D'accord. C'est ça? Au moins ici, c'était le deuxième, le troisième, le quatrième et le premier. Je peux comprendre, mais c'est une manière de mirater les gens, une chose qui n'est pas réelle sur le terrain. Donc, sur ce plan-là, sur le positionnement des jeunes sur les listes de candidatures à l'UFDG, tu penses qu'on est passé à côté? Totalement à côté. Bien. Et chose que je déplore, il faut savoir donner de l'espoir aux Guinéens, il faut savoir montrer l'exemple du leadership, faire comprendre aux gens que si toutefois l'UFDG venait au pouvoir, oui, c'est un parti qui n'est pas assoiffé de pouvoir, c'est un parti qui sera à la disposition de la jeunesse, des femmes, des vieux, des sages. Bien. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, chose qui est déplorable. Alors oui, on va terminer. On parlera d'autres situations au sein de l'UFDG parce que on en parlait bien entendu. En off, c'est par exemple la gestion du patrimoine de l'UFDG. Qu'est-ce qui fait que d'autres gens, comme Baouri par exemple, reprochent toujours au bureau actuel d'accaparer les biens de l'UFDG, biens matériels, biens financiers? Qu'est-ce qui explique qu'un jeune comme Ntolo, par exemple, ait quitté l'UFDG? Où va l'argent? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui cotisent à l'extérieur, en Angola, en Mozambique, aux États-Unis, qui envoient de l'argent pour que ça soit utilisé dans les domaines, par exemple, la communication et tout et tout. Tu nous donneras beaucoup d'informations sur ces sujets à l'avenir, mais on va terminer sur un sujet non politique cette fois-ci, l'incivisme qui prend de la place, et le plus souvent, de toute façon, hein, on vise le plus souvent votre parti, notamment. Parce que quand il y a des émeutes, même si ce n'est pas politique, par exemple pour le courant, il y a des casses sur l'axe, Bambeto, Kosa et tout, c'est le fief de l'UFDG. Et il y a des cas de vandalisme, on reproche le plus souvent, on voit toujours les politiciens derrière. Mais d'abord, c'est cette situation d'incivisme. Tu as quelle idée, quel regard là-dessus? Moi, en parlant de l'incivisme, je suis pénétré au fond du cœur. Je suis vraiment catastrophé. Lorsque je vois des citoyens être des citoyens brutaux,
à l'endroit de la nation. Ça nous interpelle. Vous prenez l'exemple des manifestations en République de Guinée. C'est des manifestations brutales, ça et là. Et ça, ça nous interpelle. Vous savez, les gens se focalisent souvent sur leurs droits, mais ils ne savent pas, c'est-à-dire faire accompagner leurs devoirs vis-à-vis à la nation. Alors donc, pour toi, qu'est-ce qu'il faut comme alternative, comme disposition pour aller à l'encontre de cet esprit d'incivisme qui prend la place dans les attitudes des citoyens, que ce soit sur le plan politique, en exerçant les libertés politiques, que ce soit sur le plan social, comme par exemple les émeutes contre le manque de courant, mais il y a toujours des dégâts, il y a toujours du vandalisme. Vous savez, ici, c'est le rôle non seulement de la société civile, mais aussi des politiques. Sur le plan politique, par exemple, les partis sur politiques le ont plan le devoir politique, d'éduquer, notamment. Les partis politiques ont le devoir. C'est pourquoi moi, j'avais souligné ici la formation. La formation. Quelqu'un qui est bien formé. Pensez-vous que demain, vous allez me voir ici un militant bien éduqué, bien formé. En train de prendre des cailloux pour jeter sur des policiers. Je ne le ferai jamais. Mais plutôt, au contraire, vous allez me voir avec des pancartes. J'écris ce qui me façonne le cœur au niveau de ces pancartes et je marche doucement en réclamant mes droits. C'est ce qui est légal. Mais malheureusement, au sein des formations politiques, certaines ne l'acceptent pas. Je ne sais pas pour quelle idée. On ne met pas l'accent sur l'éducation politique des militants. L'accent sur l'éducation des militants. Et les militants aussi sont aveugles. Ils ne réclament pas cette formation. Bien. C'est ça le problème. Ok. Au-delà, vous prenez la société civile. Aujourd'hui, c'est une société civile qui est subventionnée. N'est-ce pas? On se fait comprendre. Quel est le rôle de la société civile? D'ailleurs, c'est le moment d'interpeller Gassama et toutes les structures affiliées à la société civile de mettre le débat sur la table, d'accepter de venir à l'encontre des citoyens, les expliquer, les sensibiliser, échanger avec eux, savoir les tenants et les aboutissants de l'incivisme galopant en République de Guinée. Je pense qu'à travers toutes ces idées, il y aura une solution très efficace pour le peuple de Guinée en matière d'incivisme. Mais de l'autre côté aussi, il faut interpeller la responsabilité de tout citoyen. Parce que au-delà de tout, la nation, elle nous interpelle. Au lieu de se poser la question à savoir qu'est-ce que le pays, ma nation a fait pour moi, et le pays, il a fait pour moi, pose-toi la question à savoir qu'est-ce que toi aussi, tu as fait pour ton pays. C'est extrêmement important. Moi, j'interpelle les citoyens guinéens, arrêtez d'être des brutaux. Lorsqu'il s'agit des manifestations, sortez à la douceur, revendiquez. Lorsque certains ont envie de vaquer à leurs affaires, laissez-les librement vaquer à leurs affaires. C'est un peu ça, la démocratie. Vous prenez l'exemple tout récemment de l'électricité. Il y a eu ce problème. Mais quand j'ai vu ces manifestations, vous prenez des citoyens qui sont là en train de brutaliser les uns et les autres. Et pourtant, les mêmes citoyens n'ont pas de l'électricité. À la maison, absolument. Ils n'ont pas de l'électricité à la maison. Je pouvais comprendre que si ces citoyens s'attaquaient vraiment au gouvernement, plus précisément à chaque talvez-ci-là, ou bien à ceux-là qui devraient amener de l'électricité. Mais malheureusement, on s'attaque à des citoyens qui n'ont rien à voir avec cette situation. Avec cette situation d'électricité. On espère bien que ces souhaits tomberont dans de bonnes oreilles. C'est aussi un peu l'image catastrophique que nous livre l'état de nos trottoirs sur, par exemple, la route Koza, Bambeto, Anko 5, où on a carrément établi des dépotoirs d'ordures au milieu de la route, dans une capitale. Alors, je ne sais pas si c'est l'incivisme à son dernier degré. L'incivisme et l'argument que ces citoyens ont, par exemple, c'est de dire non, on n'a pas de poubelles dans les quartiers, il n'y a pas de dépotoirs. Il y en a même qui disent que c'est l'ancien et feu gouverneur Souriba Sorel qui avait dit aux citoyens de cette zone de sortir les ordures et de mettre au milieu de la route. Là où, par exemple, au Rwanda, on trouve des fleurs qui embellissent la route, c'est les ordures qu'on trouve. Écoutez, à Conakry. C'est des citoyens, je vous dis, il y a un manque d'éducation. Dans l'ensemble. Parce que moi, je vais vous dire, prenez votre main, mettez dans le feu. Vous allez le faire.
Vous n'allez pas le faire. Et même si c'est le président, même si c'est le président Alpha Condé qui prenait un décret tout de suite, il dit pour les citoyens, prenez vos salariés, vos ordures, mettez sur la route. Moi personnellement, je ne vais pas le faire. Et je sais que vous aussi, vous n'allez pas le faire. Parce que vous êtes conscient, c'est une mauvaise idée. Et donc cette situation qui grandit de ce côté, quand je parle de ce cas d'ordures sur les trottoirs, c'est parce que l'État aussi est absent à ce niveau, parce qu'on ne peut pas permettre aux gens de déverser. Mais c'est un sujet qu'on va développer à l'avenir. Corboya Baldé, je rappelle, dynamique communicant de l'UFDG, auditeur fidèle des grandes émissions de débat politique. Merci d'être passé. À très bientôt. On va continuer le débat. Je vous remercie. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Merci. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement le feuille soigneusement sélectionné en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels, avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux quatre coins de la Guinée. Contact Kankankorosa 669-00-59-85 ou le 621-18-90-62. Conakry le 664-04-55-92. Kindia 625-22-84-38. Boki Kamsar 622-60-31-61. Mafereya Forecaria 664-33-25-11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme annoncé, vous le constatez à mes côtés, Souri Kandia, journaliste ici à Gangan TV, avec lui. On va juste faire focus sur cette opération de distribution des cartes des lecteurs. Jusqu'à cette phase, pas de problème en tout cas sur les différentes activités de la CENI. D'abord, bienvenue Kandia. Le plaisir est pour moi. Alors, donc, on parle de distribution des cartes des lecteurs. En étant en même temps journaliste et citoyen, tu es allé pour récupérer ta carte de lecteur ou sinon tu attendais ta carte de lecteur. Il se trouve que tu te retrouves avec 2 cartes de lecteur, toi seul. Donc ça, ce qui confirme un peu les dénonciations que les partis politiques font actuellement. Ou sinon les irrégularités. Les irrégularités qu'ils constatent. Pour le moment, dès le départ, il faut le dire que voter est un droit et participer aussi à la gestion des affaires publiques est une pierre angulaire de la démocratie. Ça, c'est l'article 21 plutôt de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui le dit. Donc, sans liste électorale exhaustive, sans crédible, fiable, ce droit ne peut être exercé. Et effectivement, je m'inscris dans la même logique parce que quand je me suis allé la semaine dernière, vous n'êtes pas sans savoir que la distribution des cartes électorales a commencé effectivement, c'est une réalité. Donc moi personnellement, je n'ai pas eu le temps de me déplacer, donc il fallait attendre le dimanche. Mais comme par hasard, d'abord, la première des choses est que le travail ne se fait pas de façon très sérieuse. Sur tous les terrains, parce que moi, dans mon quartier, par exemple, au sein de certaines commissions de distribution. Parce qu'il faut noter entre parenthèses, moi, par exemple, je n'ai pas bougé de chez moi, la première carte est arrivée,
m'a trouvé. Donc tu n'as pas allé chercher ta carte d'électeur. Je ne suis pas allé chercher ma carte. Un jeune est venu de je ne sais, je connais même pas le jeune en question, qui a remis à mon jeune frère parce que tout simplement il serait parti à la distribution, à l'endroit où on distribue les cartes, et il a constaté et il m'a reconnu sur la carte. Dès qu'il a dit je connais celui-ci, c'est Kandia, tout de suite on l'a remis ma carte. Les gens de la commission de distribution lui ont remis la carte d'électeur. La carte d'électeur. Et deux jours après, c'est mon petit frère qui me tend la carte pour dire tiens, telle personne est venue me remettre la carte parce qu'il était reconnu de l'autre côté. Il est venu avec la carte. Ça, c'est la première carte qui est venue. Deux jours après, ça c'était plutôt le lendemain, lundi, je suis resté à la maison à 20h. On m'a dit qu'un monsieur m'a absenté, parce qu'il faut noter entre parenthèses que le service fait qu'on n'a pas tout le temps, on n'a pas le temps de venir à la maison très tôt. Donc le jeune m'a absenté deux fois. La troisième fois, il m'a trouvé, juste je rentrais, il me dit, tiens, Kandia, j'ai ta carte d'électeur. J'ai dit, non, moi, j'ai reçu déjà ma carte d'électeur. Il me dit, non, j'ai ta carte d'électeur. J'ai dit, ah, alors là, montre-moi ma carte, parce que moi, j'ai reçu ma carte hier. Et il me dit, non, c'est ta carte. J'ai dit, d'accord, j'ai regardé. Effectivement, ça, c'est cette deuxième carte. Et quelle est cette carte? C'est, vous savez, quand j'étais étudiant, j'ai commencé à voter seulement quand j'étais étudiant. Et j'avais 19 ans. Et donc, je me suis fait enregistrer. Donc, la première fois que je me suis fait enregistrer, vous allez voir sur la carte où je suis vraiment amaigri là, parce que j'étais étudiant, encore plus jeune, sur la photo. Donc, quand j'ai fini mes études, et tout de suite, il y avait la révision des listes électorales, et j'ai jugé nécessaire qu'il faut vraiment réviser mon statut. Donc, c'est ce que j'ai fait. La deuxième fois, donc depuis ça, pratiquement depuis 2007, je ne recevais qu'une seule carte d'électeur, c'est celle-là, et avec mon nouveau statut. Et là, ça continue comme ça, chaque fois qu'il y a élection, je recevais des cartes d'électeur, une seule carte d'électeur, pardon, et sauf cette fois-ci, sauf que cette fois-ci, j'ai reçu deux cartes d'électeur, je me suis posé la question à savoir. Mais selon mes enquêtes sur le terrain, toute personne qui a, par exemple, qui a été enregistrée une fois, tu as revisé deux fois ton statut, tu t'es fait reviser sur la liste électorale et tu as la chance d'avoir trois cartes. Ça veut dire que le système n'a pas pu écraser. Je vois ici, par exemple, les identifiants ne sont pas les mêmes. Oui. Et puis. Ça, c'est les numéros de profession carte. Informaticien, voilà. Sur le 2, profession ingénieur. Ingénieur, ça, c'est aussi des irrégularités. Et puis, région de Conakry, Matoto. Et puis, je vois, c'est. C'est ça? Commune rurale, commune urbaine, Matoto, district, quartier, Simbaya, école, l'autre c'est Simbaya 1. Simbaya 1, bon. Et ça, section, secteur, village, école, Simbaya village, école Limania, Limania. Et puis secteur, village, route 3. T3. Bureau de vote, école primaire Simbaya S4 et lycée Titi S4. Voilà, ça veut dire tout simplement que sur ces deux cartes d'électeur, je pourrais par exemple aller à Simbaya école primaire. Simbaya pour voter école, là-bas. Pour voter là-bas. Et sur toute autre carte, j'ai la possibilité d'aller au lycée Titi, dans la salle 4, aller voter de ce côté aussi. Donc il y a tous ces problèmes-là qui se posent aujourd'hui. Et tenez-vous bien, il y a d'autres qui m'ont dit qu'ils ont trois cartes parce que tout simplement, ils ont été enregistrés une première trois fois. Et ils ont essayé de réviser leur statut deux fois. Donc cela a donné trois cartes, trois possibilités. Ça veut dire tout simplement que ça donne pas. Donc ça ouvre probablement la porte. Probablement la porte à une sorte de fraude. Vous avez Kandia qui est sur ce plateau. C'est vrai qu'il est journaliste à Ganga, mais en tant que citoyen qui va voter le 4 février, eh bien, il a deux cartes d'électeurs. D'accord ? Deux cartes d'électeurs qui sans doute peuvent lui permettre de voter deux fois le même jour, parce qu'il peut aller, je ne sais pas si les encres seront très très indélébiles ou que tu pourras peut-être les effacer et aller voter deux fois. Mais en tout cas, il faut interpeller d'abord le président de la CENI, Maître Kébé, qui a quand même affiché cette énergie, cette volonté que les élections qu'il va conduire pour cette première fois en tant que président de la CENI soient
toute transparente. Et on l'a vu à la manœuvre, dès qu'il a été élu, aller voir tous les acteurs politiques pour que la question de transparence soit de mise. Donc, et il faut quand même dire qu'en ce moment, sur le terrain, les commissions de distribution des cartes d'électeurs sont en train de faire un peu du n'importe quoi. Parce que d'abord, pourquoi donner la carte d'électeur de quelqu'un à une autre personne? Ce qui n'est pas la personne même, parce que toi tu as reçu toutes tes deux cartes, t'ont trouvé à la maison. À la maison. Et puis, alors qu'on est censé... des personnes qui ne me connaissent pas, qui me connaissent, mais qui pouvaient peut-être être. Garder ces cartes, garder à leur niveau. Parce que tout simplement, une personne, supposons que la même personne ait la possibilité d'avoir la carte de 10 personnes et qui ne veut pas que ceci vote. Sachant que les gens savent qui est de quel parti. Voilà, donc si une personne d'un parti politique arrive à dire non, moi je le connais, donnez-moi sa carte. Absolument, absolument, c'est ce qui risque de se passer. Donc il faudrait beaucoup plus de sérieux quand on sait, si tu viens de souligner tout de suite la volonté du président de la CENI, c'est vrai, c'est une volonté affichée. Mais quelque part, il faudrait que ça se matérialise sur le terrain. Qu'on contrôle ce qui se passe sur le terrain. Voilà, ça se matérialise sur le terrain. Sinon, je ne sais pas, on a connu beaucoup de problèmes lors des élections ici, émaillés de violence, de contestation. Mais quelque part, si lui, il a tout de suite dit afficher la volonté de changer la donne, il faudrait que ça soit changé sur le terrain et dans les bureaux de vote. Ce n'est qu'une première partie de cette alerte à l'endroit de la CENI et plus précisément à l'endroit de son président, d'avoir un regard sur tout ce qui se passe sur le terrain, à l'endroit de M. Etienne, qui est le directeur des opérations, au sein des commissions de distribution, il y a des choses pas bien qui se passent en ce moment. Et il faut qu'on aille sur le terrain justement pour questionner les commissions de distribution, savoir ce qui se passe. Sinon, il ne faut pas non plus rejeter les accusations des partis politiques pour dire tout simplement que c'est des partis d'opposition, c'est pour cela qu'ils sont en train de dénoncer ça. Oui. Ce cas, ça n'a rien à voir avec un politicien. Surtout parce que quand il est journaliste, et donc lui-même, il a deux cartes. Donc, à un moment donné. Même s'il faut noter entre parenthèses que dans la distribution, par exemple, à Dixine, dans le quartier de Pendessa, c'est pas le même. Là-bas, il y a la rigueur. Où si tu ne vas pas personne ne te donne pas. Mais dans le cas de mon quartier, ce n'est pas le cas, et dans d'autres quartiers aussi, c'est vrai qu'il y a certaines commissions de distribution qui font montre de rigueur. Même si c'est le père de famille qui vient, il trouve les cartes d'électeurs de ses enfants, on lui dit non, il faut que vos enfants eux-mêmes viennent récupérer. Mais pour la plupart des commissions comme à Matoto ici, où on donne vos cartes à n'importe qui, ça veut dire que... Et puis, oubliant par là que Étienne était passé, M. Étienne était passé, il nous a fait comprendre qu'il n'y a pas eu de révision de liste électorale. Donc, en connaissant cela, il y a des dispositions qu'il faudrait prendre, parce qu'il faille prendre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura forcément des cas de décès depuis qu'il y a eu la dernière révision. Donc, ces messieurs qui sont décédés ou ces dames qui sont décédées... On ne réimprime pas Même si on a réimprimé, mais que la commission ait la possibilité de restituer ces cartes qui reviennent à la CENI. Mais que ça ne rentre pas dans des mains de personnes qui pouvaient peut-être faire usurpation d'identité pour s'en servir et servir leur parti politique, parce que de toutes les façons... C'est des risques. Voilà, on va en faire ce débat encore. On va le poursuivre peut-être, pourquoi pas, demain. C'est possible que nous ayons en tout cas quelqu'un de la CENI pour parler, revenir sur tout cela. Merci Kandia pour ce témoignage. Le plaisir a été pour moi. Voilà, c'était tout pour Café Débat d'aujourd'hui. Merci de votre attention. À demain pour un autre numéro de Café Débat. Prenez soin de vous et au revoir.